Et bienvenue dans l'émission Teuf plus Tio les courses 2 in 1 comme d'habitude. Nous en direct sur les ondes de Radio Plus, nous aussi en live sur la page du défimédia.info et aussi sur Télé Plus, sur YouTube. Comme d'habitude, à mes côtés en studio, Nouéna, Santosh, Randine et Patrice Esmiotte. Santosh, bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir Patrice et bonjour, bonsoir chers internautes. Bonsoir Patrice. Bonsoir Charles, bonsoir Santosh, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On commence comme d'habitude avec un flashback de la semaine dernière avec une très belle victoire du gris du champion Frosted Gold qui l'a imposé dans un très joli style Santosh. La classe encore une fois fait la différence. La classe oui, mais disons, parce qu'un adversaire vraiment de taille, et une balade de santé, malgré ce top weight right, dans les coursiers, deux coursiers qui tirent à l'attaque, il y a un tigit. C'était Luna Vacation et l'autre cheval de l'écurie à Marseille, Absolutis. Et donc, Posted Goal, au départ, il gagne un placement en haut. Vous remarquez, il sortit à l'aise. Et il suit l'unification. Là, il rabatte un petit peu à la côte. Côte Moukor, le jockey gagne une semaine de suspension pour sa petite interférence qu'il vient faire avec Absolutis. Là. Mais le cheval était très clean, comme en entraînement. Même il est parti 100% fit, bien sûr. Mais c'est, comment on dit, sur classe. Il me permet de remporter une victoire aisée. Dans les 300 derniers mètres, alors que Luna Vacation était sous pression, malgré ce petit poids, vous remarquez que Frosted Gold, plein d'allant, beaucoup de réserves, et Jamia Liosen passe à l'intérieur, et vous trouvez, il y a Compagny, une petite cravasse, un petit coulot l'encolure, et le cheval accélère merveilleusement bien, dans un joli style, malgré le top weight, et donc c'était un petit balade de santé, en attendant bien sûr, les autres courses de ce coursier, écoute vraiment, là, pendant Van Veger Gatekeeper, oui. Pendant Twist of Fate, pendant l'autre, et mon pensée, moi, Frosted Gold, il reste un champion, il reste un très très bon cheval, et un classe, il saute, qui nous remporte quand même en des courses de groupe 1, et c'est peut-être le meilleur cheval de Lille actuellement. Oui, peut-être. Pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr, parce que Rules of Dubrovnik, pour le moment, il est un peu out of competition. Pas bovine en compétition de cité. Ouais. Donc, pour le moment, Patrice, Frosted Gold, le meilleur cheval de Lille, il fait dit avec beaucoup de facilité la semaine dernière. Nous avons eu l'occasion de commencer avec ça ensemble samedi dernier. Comme tu peux dire, Lille, la classe, encore une fois, fait la différence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à battre, mais quand même, il fait dit d'une façon très, très facile. Oui, Frosted Gold. Matt Santos est bien résumé, c'est le seul cheval de classe qui est en action actuellement. Rose of Dubrovnik, tout à l'heure, pour Jadine Transfert, espérons le bout de bientôt, Gatekeeper pour en retraite. Ouais. Et des SA3 là, comme tu peux dire, l'année dernière, en fin de saison, il y a un vide des SA3. Et à l'instant un peu, on rappelle l'année dernière, Rose of Dubrovnik fait ce début, même de Gatekeeper sur première course, même je pas à 100% de capacité, on dit à 75%. Son entraîneur dit, après les courses, son entraîneur dit, moins que 85%. Maman, tu dis à 75% de sa capacité, il bat facilement dans sa champ-là, il est trop fort. Et quoique, dans une droite finale, le Banget Hedon, et dans Hedon, et Jamia Liosen, joué un peu avec son renne. À un moment, on trouve Frosted Gold shifté vers l'extérieur, brusquement. Et ça, la prochaine fois, il a fait un peu plus attention, il a blessé souvent là. Oui, surtout que c'est un cheval qui, comme tu fais déjà dit, ou même durant l'émission la semaine dernière, c'est un cheval intelligent, il connaît qui il y en a à faire. Il connaît qui il y en a à faire, exactement. Et surtout, comment nous dire, hein, même l'année dernière, c'est le cheval vraiment qui est capable, comment dire, maturely, c'est The Gatekeeper. Oui. Je me rappelle à l'écoute, c'est perdu The Gatekeeper, et tu montais pas de nouveau. Il est blessé en course, Ben Affedem. Ben Affedem. Ou de nouveau, il est blessé en course, il heurte les balles, juste avant Coupe d'Or. Et tu termines. Mais vous trouvez que The Gatekeeper a un aussi bon finish qu'il est. Quand The Gatekeeper est vendu, c'est pas facile pour lui remettre The Gatekeeper. The Gatekeeper keeps on going, he never fades. Il n'a jamais arrêté. Voilà. Et quand vous avez des finishes l'année dernière, hein, Frosted Gold, tu finis ça en quoi, 33 secondes, quelque chose. Et Gatekeeper, c'est pareil, les 600 mètres. L'année dernière, si tu as un record, tu as un record. Oui, ah ouais, c'est un autre record. Ouais. Mais nous, tu lances un débat. Oui. Frosted Gold, il gagne jusqu'à 1800 mètres en Afrique du Sud.
Oui, peut-être nous qu'on ça interroge aussi la question. Comme tu me poses, Patrice, la question la semaine dernière, après la victoire de Frosted Goal, est-ce que vous pensez qu'il est Frosted Goal capable de tenir les 2400 mètres, vu que le gatekeeper n'est plus là? Oui et non. En Afrique du Sud, il y a fait, où est sa course là, l'un de ses 100 mètres, quand il n'est pas donné, il quinte, hein, il tire, il a une tendance poule un petit peu. Loin de 2400 mètres, train là, il est beaucoup plus modéré. Bien sûr. Et bien sûr, dit, pour moi, non. C'est un pari un peu osé. Mm-hmm. On va dire, oh, qui est impossible, parce que mon déjà trouve. Voilà, on baisse au-delà de 1400 mètres, à l'eau 2400 mètres, il y a un bâtiment de bonne néné. On trouve, c'était le Chalice, une fois, bon, il s'est cité, il y a eu sur l'eau 325 ou 65, il y a direct 2400 mètres, il se fait bien. Bon, tout dépendra, mais moi, pas croire pour briller le bon état. Oui, avec en fait, ça, c'est l'entourage décidé. Mais moi, personnellement, sur le moment, mon opinion, peut-être un 1800 maximum. C'est un vrai mile, plutôt. Ouais, sprint a mile. Attends, on voit donc, qu'est-ce que l'entourage de Dominique Zach peut décider. Ça fait week-end classique. Oui, c'était la course sur 1800 mètres. 1800 mètres. C'est un cheval qui a l'âge de 3 ans. Il y a trois longueurs de God de Green Light. C'est un cheval qui va très bien avant une course de groupe à l'âge de 3 ans en Afrique du Sud. Donc, avant que ce programme pour cette saison, les autres courses, Santosh, c'est une très bonne journée pour l'écurie Nagadu, encore une fois. Vu que Manas fait bien pour l'équipe, pourquoi une des plus jolies saisons pour Parmine Nagadu, oui, hein, il réalise un brillant triplé la semaine dernière avec Rochester qui écrase tout le surpassage dans 0-15. Ce cheval-là, pourquoi sa quatrième victoire en 0-15. Un cheval transformé, ou Léo Palais, ou carrément un adversaire bien faible, etc. Mais au besoin d'un crédit aussi, avant de dire qui occupe sa course là, au moment de sa course là, tu viens d'un course vraiment très ordinaire. C'était un peu de dégoût de compétition, une régale goût de compétition. Zouzi ou Touli, il ne montrait pas, il montrait finish. Et bravo à son entourage. Il y a aussi le nouveau Skating on Ice qui gagne des courses de rêve à l'avant, qui débute sur une très bonne note. Il répète un peu ce bar à trial, qui démontrait beaucoup de pas. Even In With a Chance, il est un peu malchanceux au départ. Casimiro, Eye Catching Run, un cheval qui galope seulement en ligne droite, mais quand même fait une très bonne performance. Et Flight l'autre victoire de Parvin Nagadu, pourquoi ça c'est une des courses vraiment faussées que tu trouves Massimo. Et Alaska Knight, et tu as l'autre coursier peut manger devant une course qui a 100 000 à l'air. Et j'aime mutuellement à l'avant Alaska Knight, à un moment il carry 3 wide, 4 wide. Mais Little My Love, vous connaissez, c'est un cheval qui n'a pas, qui n'a finish. Et lui aussi, même s'il est parti 100% fit, mais les circonstances de course, le fait qu'il y ait une combativité, qu'il n'en finish, et bien emmené par Sonaram, et d'une remporte une victoire, vu les circonstances, mais quand même, un triplé encore pour Pravin Nagadu, comme répète Zot, qui réalise peut-être sa meilleure saison. Oui, tout à fait. Et les autres courses, Patrice, Grand Finale, qui confirme ce bon début en remportant une belle victoire, Royal Virtue, qui continue sur sa lancée, et bien sûr, la dernière course qui ne fait beaucoup parler, Overdose, qui se transforme en front-runner. Overdose se transforme en front-runner, oui. Et départ de la course, Pierre l'entraîne entièrement, et le jockey de Liverpool Champ, avec 70 kg sur les deux, choisir pour rester à l'extérieur. Alors que premier 200 mètres, sectional time, hein, galopant 14,69, deuxième 200 mètres, la course est finie lancée là, en 15,03. Bon, troisième 200 mètres en 13,12. C'est les 800, les 600 derniers mètres qui les courses à lancer. Donc, Greg est film là à plusieurs reprises. Moi, vous remarquez, vous êtes dans le film là aussi. Par contre, c'est pas que le type, il y a un moment que tu ne poses la main, il met Liverpool Champ. Au départ, on veut se départ. Ouais. Mais pour que se dépose, c'est capoté 1000 mètres. Ouais. Il met il pression, la descente aussi, les routes traversées, soit là-bas. À partir de 800 mètres, que tu peux mettre les courses à lancer. Patrice, moi, vous posez une autre question. Overdose, il a gagné, il a des courses dans la jambe. Mais quel niveau, ça m'a un cheval là, fil pareil, N43-54 pour laisser 100 mètres. Les temps médiocres, pas mais dépasse médiocre. Mais pas de problème. Moi, je me pose une question. Quand vous avez certains coursiers qui galopent dans les courses, je me pose une question. Est-ce qu'il y a une vitesse par rapport à un coursier qui va engager dans les courses concernant votre fitness? Est-ce que la HRD et ses commissaires doivent vraiment suivre un peu l'entraînement, de suivre un peu l'évolution, que ce soit par le trial, que ce soit l'entraînement, bien suivre. Auparavant, mon commissaire me connaît, tu peux venir d'entraînement, tu peux suivre. Est-ce qu'il y a un cheval vraiment fit? Est-ce qu'il y a une vête, le type vête? Il y a vraiment une véritable vête test de tout bon coucher avant qu'ils participent dans l'épreuve. Parce qu'il y a un peu anormal parfois autour de la coucher, puis tout se bite, et on peut faire comme tout, et on paraît, comment dire, pas fit du tout, sans être dans un problème. Parfois, quand on lit un rapport au commissaire, le style report après la 8e course, vous trouvez l'autre distress, l'autre short, l'autre boité, l'autre. Bon, il y a un problème là-dedans. Les coussins galopent 43, 54, ne pas grave, retire les mérites de 22, il ne s'y a pas gagné les coussins, il dit,
d'un départ. Jamais mon tour, à m'a mettre pression, puis aller devant l'île, d'un départ, à m'a jump, il pose sur la main. Non, mais il correct, il correct. Ça se les couche, il gagne sur les couches. Les autres, je connais pas. Il n'a pas péché à suivre. Non, comment juste Liverpool, champ. Depuis le départ, jusqu'à peu 2000 mètres. Oui. Si tu es comme tu es, depuis le départ, jusqu'à peu 2000 mètres. Oui. Personne ne va faire des efforts pour passer devant la vendeuse. Oui. Même personne n'est pas intéressé. Parce que 14-69, 15-03. Peut marcher. Peut marcher. Même troisième lap, 600 mètres, 13. Une fois que tu donnes les courses en 86, d'après mon petit recherche, c'est un 600 mètres remporté par DO, la piste normale, c'est comme N45. Ça aussi, là-dedans, c'est la 3 ou que tu suspends. Hein? Suspends 3 mois, 2 mois, avec un mauvais road, ça va référence à mon moteur. Bon, Rediaou, c'est une affaire bien important. Public peut jouer dans le coursier, il y a un coursier qui peut engager dans les courses. Est-ce que, ma question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment fit? Est-ce qu'ils ont vraiment fait? Est-ce qu'il y a une vette? Une vette test qu'il fait test. Hein, par rapport à donner un clearance tout coucher avant de participer dans les courses. C'est ça ma question. Maintenant, nous capons donner une vette test, coucher la parité ça. Ouais. Mais je paye dans le niveau. Le niveau ou paye dans cet endroit? Bon. Paye dans le niveau. Ou souvent dans les courses où on est défavori, comme ça, où on gagne cassure. Et mon gars, beaucoup les courses où quand on est arrivé, des premiers et derrière. Quand on a une photo, puis la personne n'a pas dit son gars, on trouve là. En parlant de cette course de Overdose, une autre course qui ne fait beaucoup parler, c'était la deuxième course, la course de Grand Finale. Que là, si encore une fois, ça se joue au départ. Jeremy Anderson, au départ, sur Spotted Pearl, beaucoup du monde reproche qu'il peut faire ses efforts. Moi, je voulais me respecter chacun sa position, mais tout le temps, moi, je viens de faire, ça il, quand nous causons, me dire, vous besoin de respecter le droit d'opinion, et il ne faut pas, comment dire, ou penser. Tout le monde m'a imbécile. Mon écran d'affaires hier, the public has been taken for a ride once more. Ouais. Et il ne faut pas agir, comme on dit, dans la fumée dans l'IG. Même si certains ont la fumée dans l'autre l'IG, moi bien ça gagne pour eux. Moi bien ça gagne pour eux. Nous payons des courses depuis bien longtemps. Nous analysons des courses depuis bien longtemps. Pareil comme nous, il y a beaucoup les autres Dimoun qui m'ont respecté dans le giron, qui comprennent les courses, qui connaissent les courses. Nous capables même apprendre des autres. Nous discutons ça, les courses. Ça. 80. 15% plus de personnes qui ont ça les courses, ça cueille la tête. Oui, oui ça ne fait beaucoup pas. Au départ, comment tu dis à insulter l'intelligence du monde, il ne faut pas prendre du monde pour un imbécile, il a une limite ou cave, ridiculise ou. Ça les courses, ça, mon lire mon rapport, mon rien, il y a tout bon journal, que ce soit Défi quotidien, il y a l'Express, il y a tout. Chapeau à Saman Zouan, ce qui n'est que Saman Lantique là. Je ne donne pas d'opinion là. Je vais même le dire. Très très surprenant. Je ne vais pas mettre moi dans place, je vais décor plus commissaire qui commissaire, whatever. Mais nous ne sommes pas imbéciles, nous ne sommes pas cons. Pas ridiculiser ça ce sport là, à ce niveau. C'est un lécousse qui laisse un goût amer. Moi, Jamian Liusen, c'est un jockey qui m'a bien apprécié sur la piste. Il y a un garçon qui monte très bien, il a une jolie balance, il a un joli style, il est bien vigoureux au finish. Il monte très bien. Combien de fois nous applaudissons sur une victoire, nous flattons sur une victoire. Mais ça la montre le Spotted Pearl, laisse un goût vraiment amer. C'est une insulte vis-à-vis public, le racing public. Santa, je pourrais mettre un peu en contexte Ségou Bédien, nous regrette les images de cette course. Le départ, le cheval prend le départ canon, il laisse Grand Finale aller peine à problème. Mais quand on laisse un adversaire comme Grand Finale qui est favori de la course ou second favori, ou bien, fait travail un petit guide avant de laisser prendre le lead. Bien sûr, ça c'est le l'intérieur de l'île. ABCD of Racing pour une chance dans les courses, surtout quand le train est modéré. Là, vous remarquez que Grand Finale, il est bien keen, il peut pull, il peut aller. Le cheval, bien, en deuxième position, pas de problème, à ce stade, il n'a aucun problème. Quand il creuse les corps, ou adversaire direct devant vous, qui vous fait? Vous faites des efforts pour récolter un petit peu de lit. Dans l'enquête, il me dit qu'il soit là, tu peux écraser si c'est plus moderne. Mais ou quoi, la tactique qu'il a adoptée là, il est capable de coster, il est capable de terminer beaucoup plus bien si tu galopes un petit peu plus près. Et surtout au départ, entre 700 mètres, 600 mètres. Bon, c'est la montre qui ne laisse un goût inachevé. Mais moi, je peux dire une affaire que les stripes, ils sont payés par les taxpayers' money, par, ce sont des public officers. Je tenais un travail pour faire, et je suis answerable au public. Je faisais garder un niveau. Nous pas venir là comme dernière leçon, puis là, aucune leçon pour nous autres. Je n'ai engagé parce qu'il
Et dans le board, qui croit dans l'autre, il fait l'autre confiance, c'est aussi pour mettre l'eau. Il tire le Stipe Room avec le Racing Organizer, ouais. qui n'est pas une mauvaise affaire. Beaucoup de place dans les mondes Fairly, c'est très bien pour la compétition et pour la transparence, pour l'intégrité. Mais il y a un niveau. Si il y a des affaires comme ça pour les saler, c'est dans le jockey pour gagner 9 semaines, une course, quand on guette les courses, ou même on dit, posez-vous une question. Mais les courses comme ça, comment dire, comme dire, la fumée dans l'IG, laisse M. Riaz Khan et son équipe avec cette conscience. Ne pas venir donner d'autres leçons, pas même nous plus connaître qu'ils autres, mais une seule affaire pour vous autres, pas prendre Dimoun pour un imbécile. Il y a une limite pour ridiculiser Dimoun, et c'est une décision qui quand même pas nous fait plaisir. Beaucoup de critiques, pas capable tout ça Dimoun là, pas qu'on guette les courses, pas qu'à tout ça Dimoun là, un imbécile, pas qu'à tout ça Dimoun là, pénal lecture les courses, c'est ils autres qui ont raison, Lola, sorry, ça. C'est pas une coulée difficile à avaler, c'est un cobra qui est difficile à avaler. Et Santos, nous rajoutons là, la piste normale, un 27-18 pour 1400 mètres. Mm-hmm. Premier 200 mètres après le départ, couvert en 15-01. Encore une fois, train d'enterrement au départ. Et quand je vais dire depuis le commencement, même depuis l'année dernière, tu peux dire ça, beaucoup les courses vélo au départ. Et là, commencement de la nuit, tu gagnes l'affaire d'une appelée. Oui. Charon Boutanier. Boutanier, il y a une rate de départ, il y a une pégatée nièce sous Val. Là, nous mettons. C'est peut-être pas comme le guetté pour prendre sa départ. Là, mais il retrouve soit Charon Boutanier, puis pégatée nièce sous Val au départ, puis laisser le notre Val devant tranquille. Et pareil, comment ça donne des coups, ça, c'est les mêmes affaires. Mais puis ça, là, au départ, je tout peux retenir. Premier 200 mètres, je tout. La tête, reine coûte, ou donne un départ, reine coûte, tout le monde peut retenir. Ouais, c'est comme si personne ne prend. Après, quand le talent finit, commence à aller. Là, nous commençons à faire une zeste, nous devons pousser. Mais les premiers 200 mètres, là, le départ, on veut prendre des pommes, souvent, où il y a un premier couloir. Et quand ça nous dit, on connaît où l'adversaire principal, on fait le travail jusqu'à premier tournant, au moins. Okay. Un petit travail jusqu'à premier tournant. Oui, tout à fait, surtout qu'il se peut-être pas le tir à l'intérieur. De... Est-ce qu'ils vont comprendre, enfin, une question qui nous soulevait. D'accord, l'entraîneur Dominique Zaki, il allait pour confirmer mon instruction qu'il nous donne M. Damien Ali Hossein. Ouais. Pas de problème. Il reste tout au long de l'enquête pour défendre le jockey. Sans comprendre. Parce qu'on pose question, on a demandé qui. Selon ce que Naouchad a écrit, qui me fait confirmer, si Naouchad a assisté l'enquête en long et en large. Oui. Il dit, oh, l'entraîneur Dominique Zaki, il dit, oh, the horse was not fit enough. The horse was the second favorite of the race. Je vais pas venir à la télévision, il dit, nous, ce cheval-là pas fit. Avant les courses. Vous connaissez le cheval-là favori, qui fait pas dire comme un dit, moi, je connais le cheval favori, mais je ne pas comprendre la côte-là, mais le cheval pas fit. Moi, je vais donner une run. Je vais donner une run, soit, on pensait des business à run, là. Ouais. C'est ça qui appelle le jeu. Ce cheval-là, demande N pour N, 100 bout de 105, 210 avant la course. Dans l'enquête, qui nous apprend que le cheval n'était pas fit. Ouais, après la course. Après la course. Ben, qui était qui déjà souvent, qui était déjà sur la course, on a déjà le cheval n'est pas fit, on va lui donner un galop, il va faire un tour, il va retourner. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il m'a pu inventer quelque chose là? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous pensez m'inventer? Moi, je dis, ouais, si ça fait partie, je me pose une question. On n'a pas étonné, ou quand on demande à Nauchad, quand on demande à l'autre confrère journaliste qui vient de l'entraînement un matin, mardi, finit une barre à elle. Vous connaissez mon content sur mon barre à elle. Vous bien m'étiqueter, aucun détail passe à moi. Vous comprenez parce qu'il y a pas autant, ça change tout de nouveau. Moi, mon tour un cheval sorti slow at start dans le barital. Very slow at start. Il prend au moins des longueurs, trois longueurs et tard quand la porte sale ouvert. Le 2, allez, il est slow. Quand on get rapport, départ, mettez passe OK. Allez, nous dire, moi, moi, wrong. Vous pas qu'on get, pas de problème. Mais. Est-ce qu'il y a au moins des commissaires qui peuvent suivre sa barre trail là, zone 2, zone point de vélo là, le starter de ce point, pas de problème. Est-ce qu'il y a même d'autres professionnels qui certifient ce qu'ils nous peuvent trouver? Non mais il y a beaucoup, TTP nous répond officiellement là. Ah, Aspect Starter, Forge by Fire, Jump Well. Jump Well, hein? Mais les deux autres, PTK et l'autre coursier. Prove to be quicker. Prove to be quicker. Quicker, sur mon clair, plus rapide. Peut-être, on va qu'on guetter. C'est le starter qui nous dira, hein? Peut-être. Peut-être moi ferai peut-être. J'avais confiance okay. Starter là. Non mais c'est ça la question de Santos. Est-ce que c'est seulement okay. Le starter qui donne ce rapport ou est-ce qu'il y a un commissaire également qui vise un, il a quelque chose à dire par le starter. Par un commissaire du coup. Oui. Hein.
Oui, c'est par le starter et un commissaire de course qui signe les rapports du Barrier Trial. Là, il a mon assassinatier, là. Counter-side by Stewart, un name of Jason, non. Ouais. Signé en bas, mettre ce nom signé. Moi, tu conseilles, vous faites ça, bah, tu vois. Ah, on guette, on guette, ok. Mon mot, l'inette encore bon, Patrick, sans mon besoin. Mon binocle qui parle, maintenant. Ah, mon binocle. Sans binocle, trop vieux. Ok. Pas trop bien dans le binocle, là. Ok, d'accord. Pas de problème. Mais bon, voilà un peu l'état actuel de tout ça. Un petit mot pour Nastili. Oui, il y a un très bel acteur de Nirvan Nastili. Encourageant, Van de lui aussi, qui peut continuer à faire bien. Et Yann Echtaka, qui la semaine dernière, qui finit sur une victoire avec Peace of Mind. Et une nouvelle qui est tombée ce matin, Patrice, David Chuan-Chong, il rejoint les rangs de Piquet-Rouille avec 11 chevaux. Vous allez donner la liste des chevaux, Charles. Oui, tout à fait. David Chuan-Chong, le propriétaire du champion Walls of the Brodick, il décide pour rejoindre les rangs de Piquet-Rouille. Il est amené avec lui plusieurs chevaux, dont ce Walls of the Brodick. Les autres sont Gonna Be Alright, Free to Win, United Prince, William the Fighter, Triple Fate Line, Brabanzio, New Abbey, The Hitman, et les Sid Kiss et Orange Red. Mais c'est justement, est-ce qu'il se met un cheval-là à votre niveau de fitness? Est-ce que vous êtes prêt à courir dans les prochaines semaines? Non, c'est... vous n'avez pas de travail depuis plus que 3 semaines. Donc vous attendez encore. Je suis travail auparavant, mais au moins 3 semaines, je n'ai pas de travail. Donc c'est pas tout de suite qu'il ne vous trouve dans mon pétition. Bien sûr, mon pensée au moins 2 mois. Ah ben donc, les prochaines semaines, nous risquons d'avoir un amas de programmes skeptiques. Au moins, peut-être, là, dans les mois à venir, nous pouvons trouver ce match-là en action. Oui, ben, c'est 2 chevaux comme ça qui manquent à la compétition actuellement. Et au niveau de l'enquête que va faire Isabelle Santos, Jamie Anderson n'a pas été sanctionné pour sa montre sur Spotted Pulse. C'est même l'enquête qui finit le bénéfice du doute par rapport à un commissaire. Mais je finis sanctionné sur Frosted Gold pour une semaine pour interférence à l'Hockey Ninja un peu absolutiste. Nous passons tout de suite à l'analyse des courses pour cette 6e journée. Une 6e journée qui est pour disputer samedi avec toujours des false rails qui seront installés à 4 mètres quelque chose des bases à l'intérieur. Nous avons toujours un programme assez escaleptique avec pas beaucoup de coursiers sur le programme officiel. La course principale, ce sera la 6e course. Une épreuve qui va se disputer sur la distance de 990 mètres pour un cheval qui a un rating de 50+, avec le retour sur piste du numéro 3 Cartel Boss, la présentation des chevaux, le numéro 1 Emblem of Hope, Color My Fate, Cartel Boss, Balucci, Winter Chill et Desert Boy. Santosh, comment tu peux y aller? Peut-être qu'il nous peut aller vers un duel entre Cartel Boss qui va faire son retour et Desert Boy qui va grimper un peu les rangs. Comment on analyse un peu ce sprint là? Écoutez, pas oublier Cartel Boss, c'est quand même un problème assez sérieux au niveau de ce temps, non? Je ne prends tout patience avec lui, il passe chez Samrad Mahadia. Mon grave, je vais suivre depuis 2 mois à peu près. Il est très très bien physiquement. Cartel Boss, comment on peut trouver en entraînement, il est très très bien. Et il y a un coursier qui respire la forme. Il fait généralement bien le saut fraîcheur. Cartel Boss, c'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant et excelle sur 990 mètres. Bon, un ennui sérieux au niveau sur les pieds. Mon pensée, si on entraîne, si vous mettez là, c'est qu'il est satisfait. Surtout, il y a Ogetso Boratrail qui est réalisé, Ogetso Gallo qui me passait à l'écran. Le cheval est bien. Attention, ce n'est pas une course gagnée d'avance. Desert Boy, certainement, il peut venir d'une classe nettement supérieure cette fois-ci après sa victoire de la dernière fois que le petit bat Instinctive Power. Bokal Diaw, qui est beaucoup plus fit que la première fois. Desert Boy, il est beaucoup plus fit. Et sur entraîne, décide pour aligner d'une classe nettement supérieure avec 53,5 kg avec son arme. Ou pas qu'il compte activement vu son prestation sa parcours. Là. Il y a un time factor, les Desert Boy. La ligne, 6. Fait ou ticket, ticket, parce qu'il y a un cheval assez rapide à son intérieur. Mais ce Desert Boy là, on connaît même les pales devant, même les évolue en one-off. Mais c'est ok, Leslie extend par retenir lui, il est content de laisser galoper. Oui, avec 53 kg, on connaît, il y en a un sur les deux pratiquement. Je ne vais pas écarter activement vu ce time factor. Mais aussi, Balucci peut venir pour la première fois chez Amar Siudial, a été acquise par l'écurie Siudial. Il participe à un bar trial mardi, pas extraordinaire, mais pas poussif. Mais même Blinkers pour la première fois, il est aussi un coursier valable, régulier, depuis qu'il peut exercer ce champ de masse. Il n'est pas à 100% ce coating. Il a une marge de progression au niveau de ce coating, au niveau de ses conditions physiques aussi. Je pense, pour moi personnellement, je pense qu'il est capable pour bien sa run là. Et alors que Emblem of Hope, pas le même cheval. Color My Fate, s'il est pris de vitesse au départ, il n'est pas aussi facile. Là, on peut remarquer le travail de Balucci avec les Blinkers en main, pas de forcer, parce qu'il est pas en pleine course cette semaine-là. Et il n'est pas une fin de mauvais barre trial.
et il termine bien. Moukoko, le vainqueur, c'était Party Time. Party Time et Balotelli. Moi, personnellement, je pensais peut-être qu'il est capable de viser sa run là. Mm-hmm. Mais dans le fil aussi moyen, il est dans sa place dans le TRC. Bon, tu veux dire, Wembley Marfoub n'est plus le même cheval. Retour d'Akasho Charaz. Oui. Hein, après très très longtemps, même il m'a insisté, malgré ses lourdes suspensions sur Global Spectrum, Straight, il fait appel. Il retrouve la piste. Hein. Il retrouve la piste avant son appel. Et donc, Winter Chill, very very hard toss ahead. Calam a fait de l'arrière, bien bien difficile. Bizarre devant pour une chance. Comment il cale devant dans les courses avec la présence des flyers confirmés? Mm-hmm. Moi, sceptique avec 58,5 kg. Mais comment vous le résumez? Peut-être un duel entre Cartel Boss et Desert Boy en degré moyen Balotelli. Patrice Cartel Boss, quand il fait que début de sa carrière en 2022, c'était un cheval qui était extrêmement fan of. Tu as très très bien l'âge de 3 ans. Tu mets moi un peu de championnat des 3 ans, si je ne m'ai pas trompé. Malheureusement, il fait une gamme en ennui de santé par la suite. Il fait une gamme battue dans Lightning Cup avec Marauding. Exactement. Pourtant. Avec une tactique des uns et des autres mm-hmm. de cette course. Et par la suite, Inconman en nuit de santé. La dernière fois, nous sommes au Champ de Mars, nous sommes trouvés en début de saison. Pour la suite, on pensait une bien progresser par rapport à ce même travail. Est-ce que vous pensez que le vrai Cartel Boss est de retour? Si jamais il overcome ce même problème, si jamais il n'y a pas regain même problème dans les courses, mm-hmm. et Cartel Boss, dans sa chambre là, si il peut souffrir, valer, et c'est bien, il n'y a pas de problème. Avec ce deuxième couloir, 53 kg seulement sur le 2, 910 mètres, pour moi, difficile à battre. Cartel Boss, one of the top wins of the day. Et un VC, bien sûr, il y a dans cette course. Hein. Oui. Bah, Santos India, Desert Boy, malgré ce sixième couloir, c'est même si il y a le point 9. Et Capara, il y a une course qui peut rouler aussi. Parce qu'il y a l'Emblem of Hope, que le My Fate, qui est capable de titiller Cartel Boss. C'est même le 1365 ou 1400, il a failli surprendre un go, rappelle. Oui, oui, oui. C'est un cheval qui a la résistance. Hein. La résistance, ah, c'est ouais. capable de suivre aussi, hein. Un peu comme Light of My Life, c'est un duel, un coup de gauche à l'avant. Et pour venir. Oui. Et pour là. Et pour moi, Cartel Boss, difficile à battre. Derrière lui, bien sûr, vous mettez. Desert Boy, mettez-le en troisième position. On disait Boy Balotelli. Parce que Balotelli, c'est un cheval qui m'a bien content. Oui, là, au fin de Get Your Boy Trial, accompagné de Party Time. Un autre cheval qui m'a bien content. Party Time, qui va attendre les débuts. On va attendre les débuts de Party Time. Un très très bon sprinter en Afrique du Sud. Ouais. Et Balotelli, je pense, c'est dans le TSC. Et Pinkers, première fois, nous va guetter comment il compote lui, avec son équipement dans les courses. C'est un cheval qui nous trouve ici, tu peux entraîner. Oui. Quand on ramène sur Gadjador, tu es encore perdu sur un cheval. Il panne vraiment en fait son entraînement. Il est capable de vous besoin de galop. Et c'est un cheval qui nous besoin de suivre cette année-là. Voilà le TSC. Cartel Boss, Balotelli, Desert Boy. Emblem of Hope, un petit mot, Loli. Il gagne un gros problème l'année dernière. Mm-hmm. Il gagne les courses, comme son saison, il a un problème. Ce dernier course, pas mauvais. Il tient le devant, mais il faiblit à 200 mètres du but. Car ça, il motive son entraîneur à mettre dans les courses. Il prend les courses au départ bien. Il est assez rapide au départ. Et vous remarquez, il est infiltré. Et quoi que vraiment pour lui retrouver sous forme qu'il tient avant et le Emblem of Hope d'antan, un peu difficile, mais nous pas connaît. Oui, et ben attendons voir qui Emblem of Hope nous trouver en piste ce samedi pour cette sixième épreuve. Noël pour l'indication de la cote pour cette sixième course avec Emblem of Hope qui est coté à 1000 roupies, 1100 roupies, Color My Fate, Cartel Boss pour son retour et grand favori à 150 roupies, 700 roupies, Balotelli, 5000 roupies, Winter Chill, alors que Desert Boy est coté à 300 roupies. Nous marquons une pause et ensuite nous retournons pour les analyses des autres courses pour cette sixième journée. On teuf plus tire les courses. Nous pour analyse maintenant les autres courses pour cette sixième journée. On commence bien sûr avec la première course
qui pourrait être disputé sur la distance de 1500 mètres pour un Shotgun Rating de 0,25 avec 5 chevaux au départ. Le numéro 1 Christmas Ice Cream sera monté par Akash Charaz qui commence à toucher une dernière un peu plus tôt dans l'émission puis effectuer son retour à la compétition. Akash Charaz, le 2 c'est French Trouble avec Jeremy Radiusen, le 3 Tomorrow's Vision Abhishek Sonaram, le 4 Enigma Code avec Kirsten Ramsamy et le 5 Master of All I Survey avec Niven Mardet. Santosh, nous commençons avec vous. Christmas Ice Cream, la dernière fois, nous connaissons l'épisode de Kotlin Force un peu là pour Distal. Il gagne galop les courses en légende. Oui, ça se roule. Moi, quoi, c'est ce que là, c'est considéré monté dans les courses. Ça dit un petit peu gagné. Couché là, c'est un couché super bien. D'ailleurs, mardi, il travaille en compagnie de Supreme Elevation. Il est à l'intérieur de Supreme Elevation, comme on peut guetter au Sazimaza. Et on remarquait que Supreme Elevation, c'est l'opération liée en main, plein d'allants, jolie action, et bien sprinté en montée. En montant très très important, et quand on prend chrono la montant, il termine ça dans un joli style tout en réalisant des temps séquentiels entre 1400 mètres pour 1000 mètres. Un joli temps, et pour vous qui en forme, Akash Charaz, nous ne va pas faire aucun assessment de ce fitness, et c'est à lui de voir. Mais il y a une chance pour sa course là, course là fit, course là un galop les courses, et vraiment que une tielle et blinkers avec les sorties. Bien sûr, il est plus long, mais c'est bien keen la dernière fois, et donc je parlais qu'il dit overdue peut-être, qu'il dit car épuisé, s'il est trop tiré. Donc c'est une réussite des blinkers qui m'ont pensé une bonne affaire. Et dans ça, les courses, il y a un coursier qui pas juste de ce course de reprise, c'est France Rebel. Donc à bord de Tietti blessé, tout ça dans les courses, ça va être suivi un PD hier, soit la partie accélérée comme prévu. French Rebel, bien lui aussi, il a été infiltré. Stifles, vous remarquez dans le rapport, qu'a confirmé Manko. Donc quand il a infiltré ce Stifles, sa course est là nettement mieux au niveau de ses conditions, il a amélioré dans son bon travail, du prenant le soleil de Jamir. Mais vous pensez, moi, c'est un cheval qui, pour faire l'arrivée, est capable même de goûter au succès, qui a lutté pour la victoire. La troisième place dans les courses, ça, sans aucune hésitation, pour mettre Tomorrow's Vision, ça couche là pour dangereux, surtout s'il y a lead. Sonaram excelle dans la course à l'avant. Tomorrow's Vision a couru en attentiste, la dernière fois, derrière Belagio King. Cette fois-ci, en l'absence d'un véritable front-runner, capable de Tomorrow's Vision devant, et est capable d'essayer de piéger son adversaire. Sur papier, la course devrait se jouer entre ces trois chevaux-là, le numéro 1, 2, 3, auquel vous faites confiance. Est-ce que vous parlez avec ce numéro 1, Christmas Ice Cream? Oui, oui, on parle avec le numéro 1, bien sûr. La dernière fois, on veut guetter sur les courses, le Ken Retenelli. Normalement, tu attends qu'il galope pour avant-poste, soit premier, soit deuxième position. On retrouve lui avant-dernier. Et malgré ça, il termine pas mal pour prendre la troisième place de Sassari. Et la course qui s'est faussée complètement. Faussée complètement. Pas de galoper, premier 400 mètres. Oui. Et Marc-Antoine, c'est bien résumé. Hein, ce dégagé sorti de Blinkers, hein, avant pas de mettre Blinkers. Et vous-même, le Tikin, malgré comme on a la couille de course, on commence à galoper. Il gagne des chevaux devant lui. Sur la tête, il a haut, je peux tirer un ticket. Car ça aussi, il motive ce bâtiment. Selon l'entourage, pour tirer les Blinkers. Mais le cheval est très bien. Quatrième couloir, il faut bien faire un petit effort pour lui placer, soit il y a le devant. Et moi, penser, il y a une très très bonne chance à cette course-là. Très très bonne chance. Gros danger pour lui. Pour lui, ce sera pour moi, à mon humble avis, sera Tomorrow's Vision. Oui. La dernière fois, Tomorrow's Vision prend des ports, les OK pose la main, laisse Bella Joking à le devant. Et ensuite, termine troisième. Il y a un galop aussi. Tomorrow's Vision. Cette fois-ci, avec sa quatrième couleur, il y en a seulement deux choix. Soit les retenir complètement les galopants de dernière position, soit les tenter du coup à l'avant. Parce que autrement, il peut trouver les one-off ou bien two wide, les courses finies pour lui. Ce qui est intéressant, c'est Christmas Ice Cream et Tomorrow's Vision, les deux sont drawn outside, oui. Ouais, côte à côte, exactement. Donc, qu'est-ce qui tous les deux poussent à de l'avant, ce sera intéressant de voir. Oui, oui, oui. Mais tous les balles au départ. Oui, quand encore une fois. Quand la porte ouverte. Qui tactique chacun peut adopter. Check la cote. Oui. Check la cote, toi, samedi. Exactement. Et French Rebel, bien sûr. La dernière fois, jockey blessé, etc. Et dans 0,25, il y en a ce sens. Il est infiltré. C'est le seul cheval qui nous traitait. Donc, voilà le TSC. Christmas Ice Cream.
Tomorrow's Vision et French Kibble. Ben, nous check la cote en attendant aujourd'hui, en attendant samedi. Pour le moment, c'est Christmas Ice Cream qui est le grand favori à 170 roupies, 600 roupies French Trouble, 310 roupies Tomorrow's Vision, 2500 Enigma Code et Master of All Life Survey, écoutez, à 1200 roupies. La deuxième course maintenant, deuxième course sur 1365 mètres, avec seulement 3 partants cette fois-ci au départ, Benchmark Second 6, Licario, Super Excited et Quattro 5-6. Des contents, Sandoche, les deux chevaux de l'écurie Mahadir contre un de Amancy Udial. Trois chevaux rapides quand même sur papier. Ouais. Licario est super bien, physiquement. Mm-hmm. Un bon workout. Très keen dans l'entraînement, une jolie coating, coursier là bien. Et avec la première anime, quoi, il peut insister pour aller devant. Super Excited, il progressait durant l'intersaison. C'est un cheval qui paraît. Il a accompli un joli progrès, tout comme Port Royal, Nutipedi Ali. Motouli, bien progressé. 4-5-6, puis il y a un sens dans les courses. Il faut dire qu'il y aille devant facilement. Ce qu'il y aille pour surrender aussi facilement. Et vous trouvez avec sa 3 courses là, la course est très tricky. Ça dépendra des circonstances de course. Et donc, il n'y a pas vraiment une certitude dans cette course. Mais Maradia, avec 2 coursiers, il prend une carte maîtresse. Mais pas sous-estime l'Ikayo, qui me répète d'autres. Très très bien. Connaissez la réunion de l'Ikayo, c'est qu'il ne suit pas. On rappelle s'il rappelle les courses. Donc, 1500 mètres. Oui. Si vous ne pas trompé, on rappelle. L'Ikayo, là. Sidens. On rappelle ça, les courses. Des courses, non, tu as une course aux 1500 mètres, Ligue 1 Batia. Bless my part. Une longueur 35. C'était tellement de bons adversaires. Le sapa au cou, là. Pas beaucoup de monde qui se donnait une chance. Oui, n'est-ce pas? Right, sa course là, il y a une potentiel. 7000 roupies toujours. Exact. Quand il est tout seul devant, il y a un autre coursier, mais attention à ce Ikayo. Mais Ikayo est super excited. Patrice, justement, l'aspect tactique peut être très important dans cette course. Est-ce que vous pensez que c'est le cheval qui parle devant, qui a une détenir la meilleure chance, ou un cheval qui a suivi une faille dans la ligne droite? D'abord, Ikayo est devant. Il ne faut pas oublier qu'il est 4-5-6. Il y a un cheval qui est bizarre le devant. C'est-à-dire qu'il gagne la course. Ce cas de figure là, c'est tous les deux à la gagne, tu guides devant. Super Excited. Super Excited. Qui l'année dernière, ça marche bien. Ils font beaucoup d'espoir sur lui. Jovino, mais... là. Super Excited. Ouais. Tu guides sur le dernier des courses de l'année dernière. Il galope en B61 sur le second de la New Application. En B66 sur le second de la Free to Win. Sur les derniers des courses. Et il galope dans 50 plus. Dans B66 encore sur le second. Et le capitaine Lannister, ça joue là, mon côté, il a l'appli. Oui. Il a l'appli, c'est parti extraordinaire. Et donc, Super Excited, un cheval qui font beaucoup d'espoir, capable de s'acclimater. Un cheval qui. Et Patrice, il va vous dire un petit détail. Il va mettre un Nicholson Beat devant. Ouais, capable, on trouve. La bonne formule. La bonne formule aussi. Nous trouvons une autre version de Super Excited. Oui. Et dans B56, comparé à la catégorie qui a galopé l'année dernière, sur la dernière course, il paraît déclassé. Oui, surtout, il me rappelle un... Tu as toujours un écoute, c'est une seconde, c'est bon, hein. Oui, il me rappelle un entretien de Saint-Marche Mandir, qui est un de Stéphane en début d'année, oui. Que tu fais dire que le cheval comme un Super Excited, Vardacus, Call of Money, c'est un cheval qui est bien improve par rapport à cette première saison et que c'est définitivement bien plus percutant cette année. Et en plus de ça, quand on dit, on a des coursiers qui parlent normalement par devant. Oui. Et pas pour un trafic problème devant lui. Il y en a pour suivre à distance raisonnable, pas trop loin derrière. Et après ça, ça qui plus faut gagner la ligne droite. Ben oui. Ben ce sera quand même une course intéressante. Pour moi, c'est Super Excited. En deuxième position, on va mettre 4-5-6. Et ce sera une course intéressante, même s'il y a seulement 3 chevaux, 510 roupies pour le 1 Licario, 210 roupies Super Excited, 4-5-6, 190 roupies. La troisième course maintenant, la troisième course, c'est une épreuve qui va se disputer sur sprint encore une fois. 990 mètres, benchmark 31, avec 4 chevaux seulement au départ. Le numéro 1, Ninoto, de l'écurie Nagado avec Jeannot Bardottier. Le 2, Vartacus, avec Dinesh Soffel. Le 3, October Sun, de l'écurie Dominique Zaki, avec Jamie Radiusen. Et le 4, Trojan Quest, de l'écurie Nawaz Rawat, avec Raj Rowan sur le 2, Santosh. Vartacus, second la dernière fois pour sa rentrée. Il progressait après sa découverte. Second, oui, mais quand même, pas oublié, il n'y a pas des courses aussi faciles aussi. Hein. Bien sûr. Des courses assez compliquées, c'est un cheval difficile. C'est qu'il y a un surprenant avec Vartacus, mais on connaît ça, vous êtes sur Galo, de mardi. C'est bien, bien, bien détendu. Pas ardent du tout, Vartacus, bien détendu, bien appliqué. Voilà. Hein, vous êtes sur Galo là, vous êtes sur la tête bien en bas, vous n'avez pas oublié, pas lever la tête même. C'est un Galo qui me fait vraiment plaisir, écoute, il démontre. Ça fait qu'il est appliqué, il est détendu. Mm-hmm. Quand tu vas le détendu, il est concentré dans son travail, il est capable. Oui, il carré ça dans les courses. Oui. Surtout si c'est un 990 mètres. Et peut-être son entraîneur trouve une petite astuce pour faire
settle. Vous connaissez quand le cheval vient fraîche, première sortie, il est beaucoup plus ardent, beaucoup plus keen. Quand il y a un galop, il est un peu calmé, on nous dire. Mais s'il montre lui docile cette fois-ci, il montre lui appliqué, il calme très très loin ce petit Vartacus. Vous respectez Trojan Quest, vous connaissez Nawaz Rawat aussi, pour réaliser une très bonne saison. C'est un top conditionneur, c'est un très bon entraîneur, Nawaz Rawat, l'école australienne. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup avec Mark Sestich, et c'est Mouré Diaou, l'école australienne. Et quand on guette ce de coucher, généralement, conditions physiques impeccables, bon travail qui est donné, bien spécifique, par rapport à sprinter, par rapport à stayer, par mile, c'est différent. Il fait très très bien comme entraîneur. Un bon programme de travail. Et Mouré Diaou qui Trojan Quest. Il prend beaucoup de patience avec lui. C'est pas un champion, c'est pas un super champion, mais c'est un choix efficace. Sur 990 mètres. Dans la première ligne, vous remarquez que Nawaz Rawat ne soit pas rail pour monter. Donc, il ne pas écarter aussi activement. Surtout qu'il est fit. Et pour mettre à la troisième place October Sun, qui logiquement nous a progressé avec une course dans les jambes. C'est pas un mauvais coursier. Il accomplit un progrès. Patrice Vartacus, dans cette course, paraît un peu l'épouvantail de cette épreuve. Mais comment ça me touche, c'est-à-dire attention à ce Trojan Quest ou October Sun. Mais est-ce que vous pensez que Vartacus, finalement, il mérite de décrocher sa victoire? Oui, il mérite une victoire. Et la dernière fois, Suzuki prend un départ quelconque. Après ça, au lieu de poser la main, il vient à la lutte pour le commandement avec Rhythmus Fall. Et mettre un train d'enfer, il y a même qui va se tuer coup. Une très coups. Très fort au finish. Pas de jet, je crois, battre Mostekiko, à cause de ça qu'il a démontré, Mostekiko, qui gagne facilement. Mais cette fois-ci, si le jockey prend un bon départ, il fait changement de jockey cette fois-ci. Changement de jockey. Mais les favoris logiques de la course. Hein. Et quoique le danger, le vieux, Trojan Quest, 10 ans, ou 11 ans, ça en est là. Août libre, ou 11 ans là. L'année dernière, deux victoires, 1, 2, 3, 4 placés. Tous les courses. Oui. Il galope bien. L'année dernière. Et tu gagnais ce premier sorti. Mais comment ça te choisit à dire avec sa première ligne, Patrice Nibsain, The Run of the Race, le bon parcours, comment nous dire. Oui, mais. Donc attention, il y en a sorti, il te place tranquillement là, sur les bas. Et s'il retrouve lui devant, il est devant. S'il y a une autre envie, passe devant lui, ok, tranquille. Et lui fait sur les courses, et vous pensez lui présent au finish. October Sun, et il craque des pôles la dernière fois. Tu as beaucoup de jeux sur ce cheval-là oui, la dernière tout fois. À fait. Hein. Il rate presque favori. Tu es presque favori, oui. Il rate des pôles, et il retrouve dans la dernière position. Et arrivé au dernier tournant, et alors qu'il tourne le cheval devant lui, tu as un bon gap, hein, un petit gap. Le jockey choisi passe à l'extérieur complètement, alors qu'il va atteindre, passer à l'intérieur, et puis il y a du terrain. Mais il refait du terrain, mais il saute dernier, cinquième. Il refait du terrain à la fin. Donc, c'est pas une mauvaise les courses. Oui. C'est cette fois-ci, il parade des pas avec ce deuxième couloir, il suit de plus près, il prend un danger. Attends, on va pour la deuxième course de ce. Une course assez ouverte, oui. Une course assez ouverte, même si c'est à 4 potes. Hein. Et donc, logiquement, on met Vartacus devant Trojan Quest. Vartacus, qui est grand favori de cette épreuve, il est favori à 165 roupies, 5500 l'outsider Ninoto, 300 roupies October Sun, alors que Trojan Quest est coté à 410 roupies. La quatrième course de cette sixième journée, benchmark 51, 1500 mètres, avec encore une fois 4 partants seulement au départ, le numéro 1, Arne Hamlin, qui effectue sa course de rentrée, il sera monté par Jamie Radiosen, le 2, Master of Illusion, avec Niven Mardé sur le dos, le 3, Prince of Venice, Rakesh Vagherotti, et le 4, Ntabazondi, qui avait terminé 3e pour ses débuts, Santosh, il sera monté par Raj Rawan. Votre favori dans cette course? Arne Hamlin, soigneusement entraîné à petit gamin, coussé là. On a l'occasion d'être une des vidéos sur mon travail, tout comme Frosted Gold la semaine dernière et les autres. Coucher là bien, il peut venir dans une jolie condition. Et vous pensez, moi, dans sa lot là, il part avec une très très bonne chance sur Arne Hamlin. Et si à surprise, attention à ce Ntabazondi qui bénéficie pleinement de ce premier sortie, qui passe une mauvaise course, sortie troisième. Et vous pensez, moi, il a un galop en solitaire qui s'est réalisé mardi, qui est vraiment intéressant. Mais coucher là, s'il répète sa performance de mardi là, certainement il peut faire l'arrivée, il n'est pas qu'à faire de mauvaises courses. Et pour compléter le tiercé, vous mettez Prince of Venice et le curie Sam Radmaradia. Mais mon favori reste le 1, Arne Hamlin. Patrice, vous faites le même choix que Santosh avec Arne Hamlin? La course pour moi sera entre Prince of Venice et Arne Hamlin. Prince of Venice qui
déjà remporté une victoire en début de saison. Oui. Une bonne troisième place la dernière fois. Dans une catégorie supérieure, il dit combien ? Il dit catégorie tu galopais la dernière fois. En B46, tu n'as pas été vraiment difficile, difficile à battre dans les courses là. Donc, quand nous guettons les courses là bien, et que ça n'a pas le devant là-dedans. Master of Illusion ou Prince of Venice. Prince of Venice, premier couloir. Premier couloir, c'est un système, on pensait, il prend le devant. Oui. Et ce cheval-là, quand on le retrouve seul à l'avant, on nous dit c'est un tout autre cheval. Oui. Et oui, il est bout devant, et il faut bien résister à la sous-finale de Harlem Lane, et qui est un cheval qui a de la qualité. S'il nous retrouve sur le meilleur niveau de l'année dernière, et le 1500 mètres, ce cheval-là a un très très bon finish. Donc, on peut attendre un joli duel dans la droite finale entre Harlem Lane et Prince of Venice. Et en deçà de là, difficile. Moi, je parle pas de victoire de Prince of Venice devant Harlem Lane. Indication de la cote donc dans cette course avec Arnhem Lane qui est favori à 180 roupies, 900 roupies Master of Illusion, Prince of Venice 250 et 750 roupies Ntabazwandi. La cinquième course vous êtes disputée sur 1365 mètres, benchmark 41, avec ici 6 chevaux au départ, Action Pack de l'écurie Yannick Perdreau avec Niven Mardé sur le dos, le 2 Forge by Fire de l'écurie Shamir Chan, Abhishek Sonaram, le 3 Captain Catman avec Dinesh Shuffle, le 4 Cloud Seeder, Jamir Aliosen, le 5 Master Kiku avec Swapnil Rama et le 6 Royal Italien de l'écurie Abdelkader Amatullah. Il sera monté par Imran Chisti qui pourra son retour à la compétition Saint-Eusch. Master Kiku reste sur 2 victoires consécutives, Captain Catman qui débute pour une très jolie victoire la saison dernière. Parait les goussas pour vendre sa dune. Master Kiku n'a rien perdu de sa superbe. Si nous gagnons l'occasion, qu'est-ce qu'on gagne de mardi en compagnie d'un nouveau Zuberi. Vous connaissez Zuberi? Oui, nouveau. Zuberi. Master Kiku, là, vous remarquez le sac à l'eau là, Zuberi qui est devant là. Hein? Mm-hmm. Master Kiku en main, passe vite. Et quand Rama demande un petit coup d'accélération à Master Kiku, qu'est-ce que vitesse qu'il ramasse le terrain là? Et il se termine ce galop en 1-11 quelque chose. Il fait libre facilement. Et splendide ce coursier. Oui. Il fait ce qu'il fait dans les courses, il montre lui en entraînement, il est dans une forme très appréciée. Ça continue, il me prouve, hein, au niveau de ses conditions. Il a une finish vraiment foudroyant, de sa façon inaccélérée la dernière fois là, impressionnant. Oui, voilà. Hein, rapidement, un bon coursier qui tient un bon finish, comme Murat Roa. Man sur la figure, le bis la ligne droite. Et Moukor, Amar Sioudialing, un très bon coursier pour entraîner. Et il part avec d'excellentes chances. Dans les coursiers, il y a un coursier, Captain Catman, tenu en haute estime par Saleh Shamdin, qui prend beaucoup, beaucoup de soins avec Maradia, à l'entraînement avec sa coursier-là. Coursier-là, il gagne un beaucoup bon galop, une longue préparation. D'ailleurs, mardi, il se travaille à l'intérieur de Transonic, et qui déjà est dans deux courses dans les jambes. Et Captain Catman, lui aussi, il respire la forme. C'est un cheval qui peut évoluer à un niveau très satisfaisant. Et coucher là, quatrième ligne, il m'a pensé, Margaret, là, il y a l'intérieur de Transonic, il est beaucoup plus facile que Transonic. Et un joli galop, que j'ai terminé 600 derniers mètres d'un très joli chrono. Et là, on pourrait manquer qu'en montée, Captain Capman et pas ne laisser intimider par Transonic, qui logiquement, bien plus fit qu'il est, vu qu'il est une galop. Et même au niveau dans de les rating, courses, au niveau rating. Mais Captain Capman, il jouit d'une superbe forme, comme on dit les autres. Il m'a pensé de vous faire une très bonne course. Master Kiku comme vainqueur, Captain Capman comme danger pour compléter le TSC. Et peut-être Forge by Fire, j'espère, il passe slow at start, il bénéficie de sa première sortie, deuxième ligne, il est capable de terminer faux en ligne droite. Patrice, la course devrait se jouer entre Captain Capman et Master Kiku. Master Kiku qui impressionne nous à ce 2 victoires. Master Kiku, vous rappelez quand sa victoire là? On dit, ouais, un moment, on dit, tu es loin d'ailleurs. Oui. Même après le départ, c'est une montre de toute confiance de Swapnil Rama, qui connaît qui est dans Bali. Mm-hmm. Parce qu'il est arrivé à. Oui, après le départ, tombe au Malartic. Tranquillement, il a 5 longueurs de retour sur Captain Persia. Mm-hmm. Et quand on connaît Captain Persia, quand il met devant. Galopin. Il est arrivé à 600 mètres, il commence à solliciter son cheval. Moi, je dis, bah, c'est qui vous gagne battre. Oui. Mais non. Quand toute la ligne droite finale, et le résultat, Master Kiku, en un coup de rein, on va dire, une accélération, il refait ce terrain, il prend 2 longueurs à l'avance, il gagne le coup ça va 2 longueurs 50, vraiment pose sur la main, 100 mètres avec but. C'est un cheval qui a quelque chose de spécial, et puis revenir assez vite,
Oui, donc on a une traité. Et pour moi, difficile à battre. C'est vrai, il y a Captain Cartman qui peut revenir. Oui. Et la dernière fois que tu gagnais, tu montais pas du Rawan. Mais quand tu battes Royal Sovereign, ça joue là. Bah, tu es trop satisfait avec la montée, beaucoup. Oui, Royal Sovereign. Royal Sovereign, tu n'as du rabat dans celle, je pense. Oui, ma Captain Capan, c'est des bavis, je voilà, la partie. Voilà, et bah, tu es trop content à la montée de du rabat sur Royal Sovereign, ça joue là. Oui, il gagne les courses, il est revenu, mais il est pour bizarre, il bat un grand monstre qui court, qui design des courses à la jambe, qui est en pleine forme, et ce sera difficile, parce que Kikou termine très très fort. Et remarquez dans les cours ça, à moi, je suis déjà mis Cloud Seeder, avec son sixième couleur. La dernière fois, tu gagnes un message avant la course, Cloud Seeder, tu n'as pas le devant. Papa le devant. Ouais. Mais la sixième couleur, tu as content qu'on ait Skill pour aller devant, alors qu'il vient d'ouvrir. Et la monster qui coule dans les courses, est-ce qu'il peut aller tranquille ou bien il peut aller faire des courses devant pour dire c'est le pas, un ticket. Ouais. Pour qui et monster qui coule, le finish. Voilà. Donc, monster qui coule, Captain Cartman. Et à la troisième place. Si jamais il y a le devant, vous pensez Cloud Seeder pour Garav dans le TSC. Au niveau de la cote dans cette épreuve, le numéro 1 Action Pact est coté à 2500 roupies, 5000 roupies Forge by Fire, 240 roupies Captain Catman, 650 Cloud Seeder, Master Kiku, grand favori à 140 roupies, et Royal Italian 1000 roupies. Nous passons maintenant à l'analyse de la 7ème course sur 1400 mètres. Une des courses qui peut être disputée par Manchval qui a un benchmark de 31 avec 5 chevaux au départ. Sun and Strong, le numéro 1 de l'écurie Dominique Zaki. Maintenant, il sera monté par Jamie Radiosen, le 2 Béni des Dieux. De l'écurie Pravin Nagadu avec Akash Ocharaz, le 3 Kapkuta. De l'écurie Abdul Kader Amatullah avec Imran Chisti, le 4 Portrayal. De l'écurie Mahadia Rakesh Pegirotti et le 5 Bella Fiorino. De l'écurie Yannick Pierre Santosh avec Abhishek Sonaram sur le 2 Portrayal. Une bonne deuxième place la dernière fois. Il monte en distance cette fois-ci. Est-ce que vous faites confiance? Distance allongée, certainement. Il y a plein dans sa faveur. Mais attention, ce Kapkuta est super bien. Mm-hmm. Il passe chez Amatula. Il a été infiltré. Il a maintenu une très belle forme. Vous pensez, moi, il prenait une belle carte à jouer. Tout comme Bella Fiorino. Oui. Bella Fiorino qui saute de Balaclava. Quand il gagne ce préparation là-bas. Et le cheval est super bien. Bella Fiorino. Pensez, c'est un cheval qui a fait très bien s'il est bénéficié de bonnes circonstances. Donc, béni de Dieu, ça va être un peu plus difficile cette fois-ci. Et pas aussi facile comme la dernière fois. Mais un last time winner, vous en respectez. Le Sun Astral est à revoir. C'est un cheval qui s'est décevoir nous quelque peu en fin de saison l'année dernière. Il a été infiltré, il est dans la première ligne, il galope bien fraîche. Et j'espère qu'il y fait mieux que ses sorties précédentes, c'est-à-dire ce qu'il s'est démontré en fin de saison. Vous trouvez, la course reste assez compliquée malgré 5 chevaux. Kapkuta, Bella Fiorino et pour compléter le TSC Portrayal. Tandis que Constantin, je vais te dire, une course quand même assez compliquée avec ces 5 chevaux-là. Mais vous connaissez où il y a un petit faible l'année dernière par rapport à Portrayal. Est-ce que vous faites confiance? Oui, on fait confiance. On pensait d'une meilleure plus gagne sur le premier des courses. Oui. Et quand il passe chez Maradia, il y a un petit problème. Pourquoi on va régler ce petit problème qu'il gagnait? Et sur le premier des courses. Satisfaisant. Satisfaisant. Une très bonne course. Mm-hmm. C'est sa meilleure course à Maurice, ça se joue. Bien sûr. Ouais, le Sardin 10 mètres, il me semble difficile à battre ce jour-là. Oui. Une très bonne course. Là, pas quoi allonger 400 mètres, meilleur pour lui. C'est un cheval qui tient beaucoup d'espoir l'année dernière. Il n'est pas un peu fou, mais il a souvent de problème. Et troisième couloir, il est qu'à suivre de près, tranquillement, pour une position. Après ça, il est venu au finish. Et. Quand on dit, moi j'ai un petit faible pour ça, ce cheval-là, mon ticket balias dans les gros là, vous comptez dans ce cheval-là, un ticket plus qu'il bat les autres. Mais, vous avez fait attention à Bella Fiorino, surtout si la fois dernière, n'oubliez sur les courses, si ce cheval-là prend un bon départ à le devant, là, plus difficile à battre lui aussi. Hein. Et Bella Fiorino, Portrayal, Bella Fiorino, et comme Santos Indir, Kapkuta, quoi qu'il y ait une chance d'entraîneur, le cheval est en très très bonne forme, de bien respecter les. Et gagner ce premier sortie de saison. Dans cette course, donc, au niveau de la cote, ne remarquez que cette fois-ci, c'est un peu plus ouverte, avec Sun and Strong qui est coté à 1500 roupies, 630 roupies Béni des Dieux, Kapkuta 250, 330 roupies pour Portrayal, 330 également Bella Fiorino. La 8ème et dernière course de cette 6ème journée, c'est une course qui vous disputez sur la distance de 1600 mètres, rating 0-20, avec 7 chevaux
Au départ de cette épreuve, le numéro 1, c'est une nouvelle unité, Sky God de l'écurie Dominique Zaki, avec Jamie Rayusen sur le 2, le 2 Chief Rafif de l'écurie Ochan, Jean-Aubin Dottier, le 3 High Voltage avec Shortnil Rama sur le 2, Imran Chisti, Sansel sur le 4 Italian Way, Powetawa avec Ryan Jurawan, African Rock Abhishek Sunaram, et le 7 Red Rock Canyon de l'écurie Shamar Chan avec l'apprenti Bhavish Sudhu sur le 2, Santosh dans cette écrousse. C'est une course très difficile à analyser sur papier. Et là, cette nouvelle unité, le numéro 1, Sky God, est-ce qu'il fait une occasion de gagner un peu l'entraînement? Bon, c'est un travail qu'il a fait un petit quand même dans les vidéos, hein, pas mauvais du tout. Ouais. Paraît fit, c'est un sprinter mile, et qui il fait bien en faisant la course à l'avant ou en courant proche du pas, surtout à l'avant que tu gagnes sur les courses. Je pense que l'ICA fait bien pour ses débuts. Il a une improving sort. Et d'ailleurs, moi, j'expecte qu'il fait de bon les courses. La dernière fois, il n'est pas décevoir. Moi, c'est Power Tower. Quand vous faites le training, un petit gamin, en quelques occasions, si il y a l'occasion, je trouve Power Tower. Et c'est vraiment, et tape à l'œil. Mm-hmm. Si nous connaissons, si il est blessé gravement, etc., si il faillit, ce carrière, si at stake. Mais je pense qu'il fait de bon travail avec lui, Power Tower. Et vu ses prestations de la dernière fois, moi, je pense qu'il y a une surprise dans la dernière, c'est Power Tower. Sky God, Power Tower, pour qu'on pète le TSC, moi, pour mettre Italian Way. Patrice, ce nouveau Sky God, une affaire qui me laisse un peu intrigué sur sa fiche sud-africaine. C'est un cheval qui galope seulement 3 fois en 2022. Est-ce que cela raise some concerns, comme on dit? Est-ce que c'est un cheval qui a un petit ennui de santé avant qu'il n'ait fini? Nous pas connaît, nous vous aguettez débuter. Mais quand même, c'est un écousse qui reste ouvert sur papier. Un écousse très très ouverte. Hein? Un écousse très très ouverte. Et moi, si on parle pour une surprise, pas pour la même surprise que Santos Randine. Et on parle pour une victoire de Chief Rafif dans les courses. Oui. La dernière fois, il rate des ports complètement. Mm-hmm. Oublié sur les courses. Il gagne galop. Et ça se voit là, on rappelle, tu gagnes les courses, il surprend tout du monde, quelque part. Tu gagnes 8e couloir, ça se voit. Oui, il gagne au finish. Ouais. Il y a 8e couloir. Il vient battre Kraken. Et attention, hein, parce qu'il les courses vraiment. Tout est possible. Tout est possible. Même Red Road Canyon. Non, mais même High Volker, tu rates des ports la dernière fois. Citation Beat, Bredon Canyon, 52 kilos, 3e la dernière fois. Voltage rate des ports complètement. African Rock, pour me dire, ouais, sourire, par African Rock. Ouais. African Rock. African Rock, ouais. Blinkers, plus. Ouais. Là, les courses bien ouvertes. Pour le point de victoire de Chief Rafif. Power Tower, le miraculé. Oui. Nous, nous pas oublier dire, hein. Nous voir qu'il ne saute pas hier, c'est le boss. C'est expecté, moi, quand bien la dernière fois. La dernière fois. Oui, pas de c'est bon. Pas de terminer loin, ça, hein. Oui, tout à fait. Très bonne course. Non, puis pour une seule histoire, ces amis, ils gagnent dans les courses, là. Hein. Oui, ouais, ouais. Après, tu sais qu'ils viennent passer. Tu sais quoi, quand Yen finit, et il revient, si jamais ils gagnent les courses, là, well done. Well done. Moi, tu es content, je trouve qu'ils gagnent les courses, là. Une seule histoire. Chief Rafif, Power Tower. Après, c'est bon, les courses. Et en troisième position, on met un autre outsider. Il y a un deuxième couloir. Le Fallen saute d'une grade d'épaule ici, c'est High Voltage. Eh bien, au niveau de la cote, apparaît que les bookmakers, paraît. T'es confiant les chances de ce numéro 1, Sky God, qui est affiché favori à 170 roupies, 900 roupies Chief Rafif, High Voltage 430, 550 Italian Way, Power Tower coté à 620 roupies, African Rock 3003 et Red Rock Canyon est coté à 6000 roupies. Voilà un peu pour cette sixième journée. Nous faisons une analyse, différents les couches au programme de cette journée. Place maintenant aux meilleures chances et quelques value bets pour la journée de samedi. Santosh, les top wins, les meilleures chances? Vortacus Master qui coûte comme top wins. Man value bet, man outsider valable, mon French Rebel. Nous sommes dans la dernière Power Tower. Oui. À 600 roupies. Pourquoi pas? Oui. Comme man value bet. Mais deux top wins sont Vortacus et Master qui coûte. Ça coûte pas bon du tout. Mais faut faire avec. Faut faire avec. Patrice? Comme top wins, super excited. Master qui coûte. Et Christmas Ice Cream, comme value bet pour trial, et outsider, dernière course, voici. Chief Rafif. Chief Rafif, côté à 900 roupies. Dans le 6 point accumulator, peut-être. Un play spot, comme on dit, chez la People's Toad. Nous commençons avec la deuxième course, bien sûr. Je ne sais pas si ça va compter avec seulement 3 chevaux, mais faisons-le quand même dans la deuxième course. L'IKEA, mon numéro 2, super excited. La troisième course. Trojan Quest. Pareil, numéro 2, Vortacus. La quatrième. Le 1, Arnhemlen. Le 3, Prince of Venice. Cinquième course. Captain Catman, le 3. Le 5, Master Kiku. La sixième course, course principale. Bizard Boy, le 6.
pour moi, on va pour le 3, quand elle bosse. La 7e. Bella Fiorino, le 5. Numéro 4, pour Tradial. Et la dernière. Moi, pour Power Tower, le 5. Moi, on va pour Chief Rafif, le numéro 2. Et ben voilà, je viens de faire un peu de man choix pour cette 6e journée. Santosh, peut-être un mot de la fin avant de terminer l'émission. Qu'est-ce que vous dire? Semaine passe et se ressemble malheureusement. La Chardy a un gros rôle à jouer, une grande responsabilité pour la bonne marche de l'industrie. Quand on get man pool, que ce soit pick 6, jackpot 8, pick 8, play spot en chute libre, c'est inquiétant. Même pour l'avenir, pas parce que ça c'était là. Faire le betting public regagne goût. Jouer, faire confiance les courses, c'est pas aussi évident. Je me répète tout. La Chardine a un grand rôle à jouer. Et les affaires qui vont passer ces derniers temps, pas trop reluisant, pas trop intéressant, pas trop satisfaisant. Vous pensez, moi, je vais rebondir dans 6 journées, fini, puis à l'OCM. Oui, il vous reste 24 journées. Vous n'êtes pas ça public là, continuer à être déplumé. Qu'un petit peu confiance, qu'un petit peu respect, plutôt, sorry, qu'un petit peu respect pour sa betting public là. Il y en a aussi une propriétaire qui veut faire ses faux. Même avec le système de lease, Patrice. Il y en a une petite propriétaire qui veut investir sur petit casse. Je vais prendre un petit lease. Je vais vivre un moment, attraper un petit souval, tiens une vodou, quand je vais mettre un petit casse. Si je peux envie encourager pour l'avenir, mais besoin d'un minimum de consistency dans une bonne action. Pas capable, pas un moment tout clair. Après, par moment, comme on aurait dit, la fumée dans les yeux. L'année dernière, il y a une sanction bien, bien sévère contre un tricheur. Je rappelle, il y a une semaine, 19, 24. Mais elle a fait Deb, Sisti, l'autre. Quel stade qui est là? Ouais, pour le moment. Mais cette année-ci, comme on dit, on fait tout, on a fait un petit peu. Différent. Un peu différent. Le public là pour juger, non? Bah oui. Pas là pour juger. Mais nous avons un droit d'opinion, et mon pensée, nous l'opinion, c'est pas bias. Oui. On guette la course de la semaine dernière, qui nous causait longuement. Ça l'avait tout dur. Oh oui, that's stupid. Ce qu'ils pensent ainsi, mais les autres exercent conscience. Et nous, conscience claire. Ah oui, Saint-Eux, Patrice, en venant aujourd'hui, nous avons dit qu'il nous fait l'émission aujourd'hui exceptionnellement, je l'ai dit, en vue du budget demain. Vous voulez poser ma question qui va arriver dans le budget, Patrice, par rapport à l'écoute, pas connu, nous pas connu, nous pas dans le secret des dieux, nous pas connu. Ça l'industrie là, m'ont répété, nous dit d'ailleurs, moi avec vous, dans la semaine dernière, lors de l'émission, qui tient beaucoup de viewers la semaine dernière, malgré qu'il s'est un peu écrit, c'est pas l'émission, pas de faire, pas le tout. Ça aussi, nous les autres exercent conscience. Ça peut rendre d'autres même ridicule. Une fin d'émission, pas besoin de t'appeler sûrement si pas l'émission ici avant une fin d'émission pareil que moi, n'importe quelle émission, n'importe que ça pour venir comme invité à l'avenir, tu fais une émission pareille, nous pour cause fax, nous pour cause sense, nous pour cause, n'a pas besoin pour une ridiculité du monde, c'est pas qu'il était, pas un débat civilisé, content ou pas content, ou écrire ce qui voulait, pas de problème, ou si vous avez le droit d'opinion, ou si vous avez le droit, c'est moi, pas ridiculise ou même, right, les courses, l'avenir des courses, comme on dit à vous, là, 2024, 2025, 2026, 2028, 30, ongoing. Si l'industrie est encore là, vous espérez qu'il est là, de tout souhaiter qu'il est là, bisez un coup de main, si pénant un coup de main, tassé. Si pénant un bon business plan, tassé. Si pénant un homme de vision, tassé. Si pas mettre ego de côté, tassé. Si pénant intégrité, tassé. Vous ne pas nous trop rêver aussi. Right? Mais le public mauricien, il y a des affaires qui vous gardent ça, pour l'avion. Le public mauricien, les tueurs-fils, vous êtes adorés, vous êtes les courses, vous êtes contents, vous êtes les courses. Ma passion est toujours là. Vous faites une émission, là, les courses, semaine dernière, vous avez un nombre de viewers. Si vous n'êtes pas intéressé avec les courses, c'est cette émission-là? Non. Nous faisons bonjour, San Mars, mardi matin. Tiens, émission, combien de minutes, Patrice? 6 minutes. 6 minutes, 5 minutes. Combien de viewers? 46 000 viewers? Du monde là, il a envie de cette émission-là parce qu'il est bonjour, San Mars, ça, non. Vous êtes content de les courses, ça. Bien sûr. Right? Mais non, soyons justes. Du monde content, les courses. Là pour venir faire politique, bin là pour si pas polémiquer, bin là si pas content s'en a là, pas content l'autre là. Public là content sur les courses, il y a deux sur les courses. Il est dans nos jeans, il est dans nos lavennes, ça, les courses. Ça. Donc, gagne un peu de respect pour ça, l'industrie là, pense un petit peu sur l'avenir aussi. Nous gagne un bon sens qui nous dit, essayez d'apporter une petite contribution pour s'appeler courses, pour sauver.
pas agir comme un démagogue, ni cause n'importe, ni écrire n'importe, montrer une action que nous avons et de l'industrie, là, apporter une contribution, nous dire ouais, vous pouvez comprendre, apporter une idée, mettez-le à la table, amenez-nous l'idée, si c'est valable, why not? Mais, là, je vous dis aussi, quand on amène une idée valable, vous pouvez dire où, il faut des autres penser en considération aussi. Vous ne pouvez pas commencer à tomber dans l'oreille dessous. Ça aussi un gros problème, ça. La cause d'avenir. Attends, on voit. Je ne suis pas pessimiste, mais moi plutôt. Oh my God. Faut dire, nous tous, mettre la tête ensemble. Faut dire, Mandimoun, vraiment, il y a une volonté pour sauver l'industrie, là, pour faire des affaires concrètes à l'avenir. Bien sûr, résoudre beaucoup de problèmes et pas répéter de manière réelle du passé. Ça aussi. Voilà. Patrice. Et bon Dieu, s'accentue, c'est une dire, pas répète pas l'erreur du passé. Et dans le passé, nous besoin pas voir nous la face, que ce soit en 2017, 2018, 2019, quand partie de la Covid, ben chiffre qui en baisse, quand MTC est là. La crise de confiance est déjà présente. Et c'est vrai, il n'a que ça en tué encore quand PTP et Chardin voient le jour en 2022. Ok? Le pas cause 2020-2021, parce que Covid, tu n'as plus clos, tu as des coups sous clos. En 2022, il n'a accentué. Et là, ça accentue, c'est une dire aussi. Et façon que les courses peuvent dégouler depuis qu'on se prend en saison, du monde est désintéressé complètement de les courses. Du monde n'a pas guetté, hein. Tous les week-ends, dans samedi, nous gagnons, on va vous dire chiffre là, par centaines de milliers. De viewers. Pas 100 milliers, mais des centaines de milliers. Ouais. De viewers. Ouais. Du monde n'a pas suivre les courses. Vous pouvez jouer guetté. La 6e, je te guette, je passe ce après-midi, je vais gagner ce loisir, mais je ne suis pas intéressé, je ne suis pas motivé pour mettre un roupie dans les courses actuellement comme il a été. Et c'est ça qui nous trouve contribué à la baisse des revenus sur les taxes, qui est à 282 millions, une sorte de 800 millions tout. Je trouve que ça, il y a une conférence de presse, 219, pas de chiffre, 2019, 800 millions quelque chose. On a eu 282 millions. Donc, et c'est pas quoi un coup de baguette magique qui les pousse en zé, ou tiens PDP, ou met MTC, redonne tout, et pour toutes les prérogatives au MTC. Est-ce que ça peut marcher? C'est une autre question. Donc, pas quoi? Et bien, il y a l'indépendance. Balance. Balance des pouvoirs, entre organisateurs des courses, stipend, hein, tu as dit, et comité d'appel qu'il ne fallait pas tomber sous même instance. Et après ça, on va attendre aussi une chaîne, nous avons trouvé un tribunal intègre. Ok? Et indépendant politiquement, que pas prendre quelle influence politique aux autres, quand ce bout d'un HRD, dit, quand ce bout capable de prendre une décision pour l'avenir des courses, pour le bien des courses, pas pour. Et ne pas prendre une perception qui. Et n'a se téléguider, on va nous dire. Ça, c'est va nous affaire très très important. Qui est bien. Maintenant, c'est aux dirigeants, hein, ben, qui pour le gouvernement actuel et le futur gouvernement après l'élection, qui pour bien décider de tout faire. Eh bien oui, toutes ces questions à se poser, quel avenir aura nos courses hippiques? Peut-être des éléments de réponse demain dans le budget, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va nous réserver l'avenir. Merci Santosh, merci Patrice, merci à Souhé, les virages également, à la technique pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, moi et Patrice, nous vous retrouvons samedi pour les 8 différents lives, pour les 8 différentes courses à partir de midi 10, midi 15, pour le départ de la première course. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée à vous et on va vous retrouver samedi.